Ben, la ville de Bruxelles a démarré un partenariat avec Kinshasa en 2002 parce que, en fait, les villes ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans la scène internationale. Pourquoi Kinshasa? Ben, le choix semblait assez évident. Tout d'abord, ben, il y a des liens symboliques et historiques entre les deux villes. On parle la même langue, ça facilite les échanges. Et on a une administration qui se ressemble au niveau de la législation. Et voilà, et donc on a démarré avec une première mission avec le département démographie pour essayer de voir comment on pouvait améliorer l'enregistrement des faits d'état civil et de population. Donc ça a vraiment permis de focaliser notre énergie et l'énergie de la démographie sur une plus petite commune, sachant que Kinshasa a 24 communes et que la simple commune de Kimanseke est très très vaste, la plus vaste du Congo je pense, et extrêmement peuplée puisqu'on est autour d'1 600 000 habitants au jour d'aujourd'hui. Alors, je m'appelle Jean-Michel Renier, je travaille pour Brulocalis, anciennement dénommé l'Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale, l'équivalent de l'Union des villes et communes de Wallonie, et je suis responsable du service Ville durable qui a notamment en charge la gestion du programme de coopération internationale communale pour les communes bruxelloises. On est là aussi pour accompagner tout le travail des communes, les aider éventuellement dans certaines démarches administratives, les aider aussi à définir éventuellement les stratégies qu'ils mettent en œuvre au niveau local avec leurs partenaires. Donc, on joue un peu notre rôle classique, je dirais, de bureau d'études pour les communes ou bureau d'accompagnement pour des communes, puisque dans ce programme, voilà, on fait de la stratégie, on fait du suivi financier, mais on est aussi là pour, parfois sur le terrain comme maintenant, venir porter des évaluations, accompagner les projets. Si vous voulez utiliser le terme partenariat, c'est un partenariat humain. C'est-à-dire, c'est un partenariat qui est basé sur les hommes qui s'aiment, qui s'entraident pour aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais certainement d'abord la durée des programmes, puisque quand le programme de coopération internationale communale a démarré, c'était sur une base annuelle, ce qui donnait en fait très peu de perspectives aux partenariats pour développer des projets. On travaille sur de renforcement de capacités, c'est des choses qui s'inscrivent dans la durée, dans la longueur, et donc les premières années du programme étaient sur base annuelle. Deuxième gros changement, donc maintenant on est passé sur base pluriannuelle dans des programmes de 3 ans ou de 5 ans, comme c'est le cas actuellement. Deuxième gros changement, on a travaillé pendant de nombreuses années sur des thématiques diverses et variées. Et donc on pouvait avoir au sein d'un même pays différents partenariats qui travaillaient les uns sur l'environnement, les autres sur l'état civil et les troisièmes sur l'action sociale par exemple. Ça aujourd'hui c'est plus possible, c'est un gros changement aussi puisque la coopération belge nous a invités à regrouper quelque part nos efforts dans un nombre limité de pays, dont la République démocratique du Congo, mais aussi de, centraliser nos efforts sur certaines thématiques. Et ici en RDC, nous travaillons maintenant la thématique de l'état civil et de la population, déjà depuis, si je n'invente rien, plus de 10 ans. Nous avons commencé notre partenariat, nous avons commencé l'identification des problèmes qu'on pouvait rencontrer au sein de notre commune de Kimanseke. Il y avait problème des infrastructures qui étaient insuffisants ou incomplets. Il y avait manque de registres. Il y avait personnel, les personnels qualifiés n'étaient pas là. Il manquait des formations aux agents. Maintenant, ils ont un registre, il y a eu un recensement, il y a des archives, il y a aussi eu plein de campagnes de sensibilisation au niveau des actes de naissance. Maintenant, de plus en plus d'enfants, parce que c'est très important, les parents vont faire des déclarations des enfants pour avoir un acte de naissance. Nous devons continuer cette campagne de sensibilisation pour les actes de décès. Oui, on peut construire. On peut mettre des outils. Mais si la population, non seulement la population, mais même si le personnel lui-même n'est pas sensibilisé sur les faits d'état civil en termes de gratuité comme le recensement administratif est gratuit, mais en quelque part c'est encore monné par les personnels, c'est très dangereux. C'est maintenant que
parce qu'on avait ciblé la construction pour la visibilité, mais nous devons beaucoup mieux travailler sur la sensibilisation, sur la communication aussi. Vous savez, par exemple, le décès, chez nous, c'est des sujets, c'est un sujet tabou. Hein. Les gens ont toujours peur de penser à la mort. Et bien là, il faut leur expliquer que c'est normal. Ce qui a changé, c'est on a notamment la création de maisons de quartier, de bureaux d'état civil secondaires. On a la mise en place de différents registres et aussi une meilleure proximité entre les Quinois et leur administration. Chaque jour, on est en train d'enregistrer les enfants, en train d'écrire les actes de naissance, partir aux maternités pour aller prendre des procurations et les autres mamans aussi qui viennent ici pour aller s'inscrire leurs enfants. Le fiche est classé par rue, n'est-ce pas? Le quartier Nsanga 19 rue. Donc, toutes les fiches sont classées par rue. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une information dans telle rue, vous avez la facilité de récolter cette information. Là, c'est mon bureau. Mon bureau, vous êtes dans mon bureau. C'est le bureau du chef de quartier 17 mai. Et je vous ai dit que nous avons, la ville de Bruxelles a construit jusque-là 4 bureaux de quartier. Il y a d'abord le quartier 17 mai, il y a le quartier Malonda, d'où nous venons, il y a le quartier Mabinda, et dernièrement, nous venons de construire le bureau du quartier Ngapani. Donc, il y a 4 bureaux construits par la ville de Bruxelles. Vous savez que l'administration locale chez nous est négligée. Pour avoir un terme un peu très simple, elle est négligée. Parce que les pyramides, on regarde toujours haut, mais on ne regarde pas bas. Or, le développement d'un pays commence par les bas. Et le partenariat ici a bien ciblé là où on peut développer le pays. Donc, en ciblant les entités territoriales décentralisées. Et comme tu m'as dit que nous avons fait beaucoup de choses ici. Alors nous construisons maintenant, petit à petit, les maisons de quartier. Et lorsqu'on construisait les maisons de quartier, on a créé les bureaux secondaires. Et on s'est dit, ok, les bureaux secondaires, ce sont les officiers d'état civil qui pilotent ces bureaux-là. Alors, on s'est dit, ok, et regardons de l'autre côté. Parce que l'État crée, mais ne met pas assez de moyens en termes d'infrastructures. C'est pour ça que la ville de Bruxelles, avec Kimasege, ont décidé de construire. Il faut savoir que dans un pays, en plus, qui se veut démocratique, parce qu'on y travaille, là-bas, ils y travaillent, en tout cas les Congolais, c'est que les gens doivent être enregistrés pour participer à des élections. Et en ce terme-là, je pense que c'est quand même fondamental qu'on sache qui vote et qui ne vote pas. L'état civil, c'est le poumon d'une nation, le poumon d'une commune où on doit contrôler le mouvement de la population, les décès, les naissances, les déménagements, le mariage. Et que maintenant, les gens ont pris conscience, les gens commencent à déclarer les naissances à temps. C'est le début de tout. Si on n'a pas d'acte de naissance, on n'est pas connu, on n'est pas inscrit dans les registres. Et donc, c'est très important pour chacun d'avoir un acte de naissance, pour plein de choses, pour s'inscrire à l'école, pour partir, pour voyager, pour le registre, pour plein de choses. C'est très important. Hein, et puis, on va un peu parler aussi du genre. Hein. On a introduit le problème du genre parce que les femmes chez nous aussi doivent comprendre ça, que nous ne devons pas toujours baisser les bras. Hein? On doit se battre pour qu'il y ait plus de femmes candidates dans les prochaines élections, surtout municipales qui arrivent, hein? Et que la femme doit voter la femme. On dit toujours, dans la rue, avant que moi je ne sois bourgmestre, on disait, non, quand vous vivez avec un homme, 6 mois, vous êtes devenue sa femme. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont tombées dans ce piège. Et puis le gars, il meurt. Tu n'as aucun droit. Ma kwa loma,
C'est un pays qui peut se développer très rapidement si les moyens sont là. Et donc, quand on apporte un petit, une petite goutte en termes d'aide réfléchie, eh bien, c'est un grand pas. C'est un grand pas pour le pays, c'est une grande satisfaction pour ceux qui le font, quoi. C'est, voilà. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Et donc, je dirais qu'une des grandes forces qu'on voudrait développer, c'est le travail en collectif. Il n'est plus envisageable aujourd'hui, les moyens diminuent, les moyens financiers diminuent, il n'est plus envisageable qu'on réalise encore chacun dans son coin des actions similaires. Il faut les mutualiser, il faut les réaliser ensemble, de manière à gérer de manière beaucoup plus efficiente et efficace les moyens dont on dispose. Je pense que notamment aujourd'hui, on a un sérieux problème sur l'environnement. On voit que vraiment l'accent est plus mis sur l'environnement. On a besoin de soutien sur l'assainissement. Aujourd'hui, Kinshasa est en train de revêtir une belle robe. Vraiment, tout le monde est en train de bouger. Tout le monde est en train de bouger. Le gouverneur actuel, son combat, c'est l'assainissement. Et les gros projets, c'est l'informatisation du système administratif, y compris l'état civil. Parce que jusque-là, nous sommes encore à l'état, ce que nous appelons l'état manuel, analogique, c'est-à-dire les gens écrivent à la main. Et nous espérons que demain après demain, si on a toujours ce partenariat, ça constitue une force. On voit vraiment que le pouvoir congolais au niveau de la population a aussi la contribution des autres partenaires extérieurs. Donc il y a une prise de considération de ce que nous faisons. Ce qui est intéressant, vous allez voir que grâce à ce partenariat, Kimbaseke commence maintenant à partager son expérience avec les autres communes, avec les autres quartiers de la ville de Kinshasa. Et pourquoi pas même avec l'extérieur, parce que quand nous nous réunissons, nous sommes avec les autres communes, Goma, ceci, cela. Et cette expérience, nous la partageons pour le développement de notre pays. Donc c'est vraiment un partenariat développant. Il est important de savoir qu'on a vraiment développé d'autres types de partenariats sur Kimbaseke. Et en fait, on a mis un point d'honneur quand des personnes avec des projets viennent nous voir, de les rediriger autant que se peut vers Kimbaseke et plus Kinshasa. Pourquoi ? Parce qu'on essaie vraiment de faire un renforcement de la commune et encourager le développement communal. On essaye que les différents partenaires entre eux se répondent et des objectifs communs. Et notamment dans tout notre plan de visibilité du partenariat, on essaie d'impliquer des opérateurs culturels qu'on a, et artistiques et éducatifs qu'on a sur Kimbaseke. On a remarqué que les gens de Kinshasa ne visitent pas le structure artistique ou le lieu de création. Par exemple, des salles d'exposition de musées, c'est les gens de Kinshasa, ils disent que c'est pour les Blancs. En même temps, ce qu'on fait, nous, les artistes contemporains, ça intéresse beaucoup l'Occident, mais pas des Congolais. Et nous, on a voulu inverser aussi les rôles dans ce sens que on veut bien travailler, mais on ne veut pas être des artistes, des touristes. On veut être des artistes qui relatent des choses, qui dévoilent des choses, qui essaient un peu de montrer une autre panel de la ville de Kinshasa, une autre vision de la ville, de la politique, de notre quotidien. Ici, je suis dans les comptes du projet réparation des instruments de musique avant avec Music Fund. Et j'ai été consulté dans le cadre de la commune de Kimbaseke, puis c'est la ville de Bruxelles, répertorier quelques fanfares où il y a de jeunes musiciens qui, devant par ce projet d'atelier de réparation, avoir un renforcement par rapport à leur travail
en initiation, en réparation des instruments de musique avant. Je suis aussi très content, très fier à l'espace Massolo parce que j'étais dans la rue pendant l'âge de 9 ans et ma mère, elle était morte depuis un mois. Elle était morte, mon père a marié d'autres femmes. Mais maintenant, je suis autonome. Le vœu que je peux formuler par rapport à ce projet, un, d'abord, je demanderai la continuité du projet et de deux, aller plus en profondeur. Au lieu qu'on reste juste au niveau de quelques ateliers d'initiation, mais j'aimerais qu'on passe d'initiation à la formation, c'est-à-dire poser des bases dans ces jeunes. Le but de la formation de ces initiations, au départ, c'est qu'on ne voudrait pas faire de ces jeunes des réparateurs. Il y a pas mal de musiciens qui utilisent les instruments avant, mais qui, en cas de l'ignorance, abîment leurs instruments. Mais grâce à ces projets, voilà Kimbanseke bénéficie de la main. Le vœu, c'est qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait un cadre bien assis à Kimbanseke où les jeunes peuvent s'approvisionner. Deuxièmement, c'est que s'il y a de l'espace, ça va attirer la curiosité d'autres jeunes. Mais lorsqu'on vient à Massolo, on perd quelque chose. C'est-à-dire que Kimbanseke n'est pas influencé par les projets. Parce que tout se passe ici. Alors Kimbanseke est en quelques mètres de l'espace. Donc j'aimerais que le projet, tout se passe à Kimbanseke. En fait, le projet Ilongo a commencé lorsque nous avons pour la dernière fois organisé le festival Connexion Kin dans une école. C'est à ce moment qu'on a constaté qu'il y avait un besoin énorme parce qu'il y a eu la participation des élèves dans l'organisation de cet événement. Et on a compris qu'il y avait un besoin vraiment énorme de faire des ateliers d'initiation à l'art en fait, dans le milieu scolaire. Parce que d'habitude, les activités culturelles s'organisent, mais c'est juste vraiment des activités pour la détente. En fait, c'est vraiment pas d'initiation pour comprendre bien les secteurs artistiques. Et donc là, nous avons compris qu'il y avait un besoin et nous avons mis en place le projet Ilongo. En essayant d'établir un dialogue, un climat de confiance, on a permis aux enfants de s'ouvrir, de parler. On a vu qu'ils s'expriment. Parce que vivre dans la rue, c'est vraiment ridicule. Vivre dans la rue, c'est la misère, fréquenter la misère. C'est un pays, ça dort. Pour éviter la misère, il faut être scolarisé. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec le projet Ilongo. Je crois que ces 2 ans-là, ça essaie un peu de s'approcher des enfants qui ne s'intéressent pas vraiment à la danse. Et on a essayé un peu de découvrir d'autres talents qui s'est caché. Et comment nous, étant que chorégraphes, étant que notre métier, nous pouvons transmettre les goûts-là à ces jeunes futurs, futurs danseurs qui arrivent. Donc pour moi, c'est la transmission. Ça leur apporte quelque chose qu'ils n'avaient pas. Parce que souvent aujourd'hui dans les écoles, on n'organise plus de spectacles de théâtre, même s'il y a des opérateurs culturels, mais il n'y a pas vraiment ces choses-là qui se font. Parce que nous, dans notre métier, nous constatons qu'il n'y a pas de public. Nous n'avons pas beaucoup de public parce que les gens ne sont pas au courant et parce que dans les écoles, le système disparaît. Donc du coup, ceux qui participent avec nous dans les ateliers, ça leur porte un bien-être d'abord. Et ils se découvrent. Il y a des grands thèmes tels que la violence et le thème éducatif. Hein? Comment apprendre à parler convenablement, comment se présenter au niveau du scène sans problème, sans crainte ni peur. Donc ça me permet de parler des problèmes du pays. Et souvent, voilà, souvent c'est ça qui nous inspire, les difficultés et puis les difficultés politiques, surtout liées à la liberté d'expression qui n'est pas très développée ici. On espère que maintenant c'est un peu plus dégagé. Mais donc, par exemple, la poésie, c'est un moyen d'utiliser des images pour passer des messages, de contourner un peu, de ne pas être très direct, de jouer avec les mots et de passer des messages. Et puis, dans l'ancien temps, dans le français courant, on parlait du théâtre. Mais chez nous, nous avons, et avec le projet Ilongo, nous avons instauré le système de slam. Entre le Congo et la Belgique, est-ce clair ou externe? Entre l'Europe et l'Afrique, love story ou externe? Entre le Congo et la Belgique, l'amour et la haine alternent.
entre l'Europe et l'Afrique qui peut éclairer la lanterne. Au commencement était Léopold Dieu. Mais avant le commencement, en 1482, Diego Cao découvrit l'embouchure du Cao. Et pourtant, depuis tout ce temps, on avait nos cacaos. Et nos filles étaient canons bien avant la poudre à canon. Je lutte pour pas profaner la phrase de Franz Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver étonné qu'on lui demande de tonner comme un canon. C'est quand même déconné, non? Mais à qui la faute? Qui a à qui la faute? On ne sait jamais entre noir et blanc qui descend de l'autre. Relations internationales, première et deuxième guerre mondiale à toute allure, tout chemin mène à l'uranium. Congo, pays du millénium. Si on ne peut pas faire la guerre, alors faisons la paix. Kimia, salam, shalom. Car ce qui est sûr, c'est que les noirs et les blancs descendent tous de l'homme. L'amour est fou, mais il a un enfant sage qui s'appelle métissage. Merci.